Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à l'érable palmatum aubané. C'est généralement à chaque fois au mois de mars que je faisais ce travail. Et là, j'ai décidé de le faire à l'automne. Aujourd'hui, eh bien, je vous propose de faire le troisième volet. On peut s'apercevoir qu'il a très très bien poussé, il a fait de grandes tiges, il est en très bonne santé. Il est en train de faire son automne, on voit que les feuilles sont en train de changer de couleur. Pas partout, parce qu'il est exposé du côté ici, du côté soleil. Et il a un peu d'ombre de ce côté, donc il n'a pas les mêmes couleurs de chaque côté. Je l'ai nourri correctement, j'ai apporté de l'engrais, je l'ai arrosé copieusement. Il n'y a pas eu d'accident sur cet arbre. C'est un arbre que je cultive principalement mi-ombre. Il est toujours dans son bac de culture que je n'ai pas changé. D'ailleurs, je pense qu'il a quand même pas mal grossi. On peut voir avec les premières vidéos, les branches au départ, elles étaient très très fines. Et aujourd'hui, on peut constater qu'elles sont un petit peu plus grosses. Donc toutes les branches qui ont tigé, eh bien, on va devoir bien sûr les nettoyer et puis les remettre en place. Comme je l'avais dit dans les premières vidéos, ma volonté, c'était de travailler avec des haubans principalement. Je pense que sur les pointes de branches, je vais quand même devoir utiliser un peu de ligature pour au moins positionner des branches qui poussent vers le haut. Mais on va garder l'idée principale de travailler cet arbre avec des haubans. C'est un arbre qui n'a pas encore un bon rapport d'échelle, je trouve, puisqu'il est très très haut, même si ça reste un arbre de plaine. Je vais essayer de souligner ce point, c'est-à-dire que les branches qui poussent en bas sont vraiment horizontales, et puis au fur et à mesure qu'on remonte sur le tronc, eh bien, les branches deviennent un peu plus, on va dire, verticales. Ce que l'on veut à travers ces grandes tiges, c'est surtout faire grossir les diamètres de branches. Si vous laissez trop tiger, vous avez des problématiques de tubes. Il va falloir corriger ça. Vous avez deux façons de faire pour corriger les branches. Ou bien vous posez de la ligature et vous les mettez en forme, ou bien vous allez tailler fortement les branches sur l'érable pour qu'ils rebourgeonnent en arrière et qu'ils fassent des formes. Alors je le fais progressivement. Les coupes que j'ai faites, elles étaient relativement longues. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'abord enlever l'ensemble des feuilles. On va provoquer en fait un automne artificiel. On va comme ça pouvoir découvrir vraiment la structure de l'arbre. On va rectifier certaines longueurs de branches et repartir sur des branches plus fines. On va gagner en conicité et on va aussi gagner en mouvement sur les branches. Une fois que la taille sera faite, on va pouvoir positionner des haubans et repositionner bien sûr l'ensemble des branches. Il est fort probable que sur les pointes des branches, je pose un peu de ligature pour corriger certaines branches très fines. Tout le système secondaire sera structuré et mis en forme avec des haubans. Et le système tertiaire, par contre, j'utiliserai un petit peu de ligature pour faire des corrections. Pour enlever le feuillage, on peut le faire à la main sans problème. Les feuilles vraiment oranges se détachent facilement, et quand elles se détachent pas facilement, il suffit de légèrement tirer vers l'arrière, comme ici par exemple. On tire à peine et on se retrouve avec la feuille dans la main, et le bourgeon latent, il est ici, il n'est pas abîmé. On ne le fait pas au ciseau, ça sert pas à grand chose. Donc c'est quelque chose qui va prendre 5 à 6 minutes pour réaliser ce travail. Et c'est ce qui est important, c'est surtout que on préserve le bourgeon latent qui est juste derrière. Alors là, vous voyez, j'utilise une technique un peu plus rapide. Je vais en arrière, mais je fais bien attention quand même de pas trop tirer sur les feuilles. Pour ceux qui s'inquiéteraient du fait d'enlever les feuilles, ce n'est pas bien grave à ce niveau-là, parce que mon arbre, eh bien, je l'ai entretenu. Je lui ai amené de l'engrais organique et chimique d'ailleurs durant toute l'année. Je sais que cet arbre, il est en parfaite santé. Je sais que mon arbre, il n'a pas besoin de faire plus que ça, des réserves. Parce qu'il peut arriver aussi que l'été, vous ayez des accidents, par exemple d'arrosage. Et donc l'arbre, il a séché d'un coup et il a dû refaire l'ensemble de son feuillage. Effectivement, il a tapé dans ses réserves. Et dans ces cas-là, il faut faire très attention de ne pas lui enlever le feuillage. J'aime beaucoup les érables, j'aime beaucoup profiter du feuillage, surtout à l'automne. Ici, on a encore beaucoup de choses à faire sur cet arbre avant de pouvoir en profiter vraiment. Sur un arbre de travail, il ne faut pas l'oublier. J'ai terminé les feuillages ou la défoliation. On peut utiliser les deux termes. La défoliation, c'est quand même plus joli. Maintenant, on voit la structure de notre arbre. Vous pouvez faire la différence avec l'état de cet arbre il y a 2 ans. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le tronc et puis commencer à raccourcir certaines branches. On vient nettoyer l'ensemble des départs, des petits départs que l'on peut voir sur le tronc. J'enlève aussi les petits départs qu'il y a sous les branches principales. Ces branches-là, vous vous rappelez, on les avait aubanées.
Ça, c'était les premiers travaux qu'on avait fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais corriger les longueurs de branches. On va de nouveau banner cette branche, la retenir, mais cette fois-ci, on va garder cette branche-là. On va enlever ces deux branches ici et on va travailler uniquement sur cette longueur en espérant qu'il y ait toujours du rebourgeonnement en arrière et on viendra comme ça à chaque fois corriger les longueurs. Avec ma pince concave oblique, je vais venir couper ici. Cette branche-là aussi, je vais l'enlever. Cette partie-là, je vais la haubaner un petit peu. Et puis cette partie-là, je vais la corriger et la ligaturer. Je vais faire ça sur pas mal de branches. On va corriger ici ce petit moignon. Et ici, on va corriger cette branche. C'est-à-dire que toute cette partie-là, on va l'enlever. Et on va gagner en conicité avec cette partie-là. Qui va me permettre d'avoir eh bien, une conicité de la branche. Donc je corrige aussi des départs sur la branche même. Sur cette branche-là, on avait fait un petit peu de travaux, mais c'est surtout la longueur qui me gêne aussi. Donc, je vais couper cette longueur. Et je vais aussi couper ici. Je vais m'appliquer à haubaner cette branche un petit peu et à descendre cette branche ici. En fait, sur cette branche ici, je vais repartir sur quelque chose de très très fin. On repart vraiment en arrière. J'ai pas besoin de tout ça. Donc, j'enlève cette partie qui était disgracieuse. Et j'enlève également la partie qui va pousser droit comme ça ici. Je repars sur cette tige ici. Là, j'ai une branche qui est aussi intéressante. Mais c'est pareil, elle commence à être très très longue. Et ça, ça posera un problème. Je vais laisser donc cette petite tige ici. Ici, je vais la laisser également pour que ça referme la coupe. Et puis là, je vais aussi corriger avec un petit peu de ligature. Et éventuellement, je réglerai après la longueur. Là, je peux faire des corrections avec cette partie-là. Éventuellement, je viendrai faire une correction de longueur. Alors, j'ai deux grosses branches qui sont parties. Celle-ci est plus grosse que celle-ci. Je voudrais garder quelque chose de fin. Donc, je vais d'abord sortir cette branche. Je vais corriger le moignon aussi. Il faut rogner un petit peu. Quitte à poser après du mastic dessus, ça, c'est pas un problème. Je vais aussi enlever cette longueur-là. Alors, on peut constater aussi que les coupes que j'avais fait il y a quelque temps, et puis ici aussi, elles sont en train de bien se refermer. D'ailleurs, celle-ci est totalement refermée. C'est quand même intéressant eh bien, de laisser pousser une branche sur la cicatrice. Ça permet de refermer la cicatrice plus rapidement. Donc maintenant, eh bien, on va travailler sur le haut de l'arbre. Là, on va faire des corrections vraiment importantes. Donc déjà, on va enlever toutes les branches qui poussent vers le haut. Bon, là, il va falloir réduire de toute façon ici. Ici et ici, on garde bien sûr les bourgeons latents ici et ici. Et cette partie-là, je vais l'enlever et qu'il faut laisser uniquement eh bien, une branche partir dans un sens. Il faut imaginer que la branche ici, ça peut former un plateau. Voilà, il reste cette partie ici avec un moignon qui a séché. On voit qu'il y a eu un retrait de sève sur ce moignon-là. Donc là, on vient le corriger maintenant. On va pouvoir bien bien rogner sur ces parties. Je viens corriger aussi parce que j'ai un départ de branche au même endroit. Je vais laisser aussi un peu de longueur sur ces deux parties-là. Une plus petite que l'autre. Donc le bourgeon latent, il est là. Et là, il est ici. Donc cette partie-là devrait sécher, également celle-ci. Alors la tête de l'érable, c'est quelque chose que l'on va faire en dernier. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a un défaut quand même. Il y a un V qui s'est créé entre cette partie-là et cette partie-là. D'habitude, j'aurais gardé la partie la plus fine, mais là, je trouve qu'elle est mieux structurée, elle vient mieux vers l'observateur. Donc, je pense que je vais enlever cette partie ici et garder cette petite branche qui va faire office de branche de côté. Je viens couper cette partie proprement. On vient rogner aussi la coupe. Voilà. Ici, je trouve que c'est quand même disgracieux aussi, donc je vais l'enlever, cette partie-là. Toutes les parties qui montent vraiment, je les enlève. Cette branche-là, elle est un peu grosse. Je vais la réduire. Si jamais j'ai un départ à nouveau dessus, ça sera très bien. Moi, je vais la réduire encore un peu. Voilà. De toute façon, même si le moignon descend, j'ai plein de bourgeons ici. Je sais que j'aurai d'autres départs. Ici, je vais réduire cette partie-là. Et ici aussi. Maintenant, je vais poser les haubans sur cet arbre. Je vais me servir de fil d'aluminium et je vais protéger comme on avait fait déjà pour pouvoir bien sûr rabattre les branches vers le bas et ainsi ne pas avoir de marque sur les branches. Je mesure à peu près la distance qu'il me faut. Je coupe mon fil en me laissant un petit peu de longueur. Donc, je viens chercher un petit morceau de plastique que je vais enfiler sur la ligature. Donc, je préforme un peu mon fil. Ensuite, je le passe
Et puis je viens dans les trous que j'avais déjà utilisés avec ma pince à jean. Je viens accompagner ma branche. La pince à jean, elle fait que tourner le fil. Je ne tire pas sur la pince à jean, je tire uniquement et j'accompagne avec la main. Et j'abaisse comme ça ma branche doucement. Alors ça, c'est quelque chose de délicat à faire. Il faut faire attention. Si vous ne sentez pas, vous vous arrêtez. Donc là, je suis pas mal. Maintenant, je n'aurai plus qu'à poser mon fil de ligature pour venir corriger cette branche-là. C'est ce qu'on va faire dans un deuxième temps. Il me reste cette branche ici à corriger également. Alors ces fils, après, ben, ils vont pouvoir resservir. Hein. Je m'en sers aussi pour mes grilles. Je m'en sers pour les oiseaux, pour les éloigner, etc. Quand j'ai des chutes comme ça, je viens tirer un peu sur ma branche et positionner mon fil correctement. Donc là, j'ai besoin de ma pince à jean. Alors c'est bien la main ici qui accompagne la branche, voyez, et je récupère le mou. J'ai quand même vraiment plié cette branche, c'est intéressant. Comme d'habitude, je viens couper le trop-plein de fil. Sur le reste de l'arbre, maintenant, je vais pouvoir poser un petit peu de fil sur des branches qui seront mal placées. J'ai besoin de corriger celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et au niveau des longueurs, je vais garder environ 10 cm sur chacune des branches, une sécurité pour pas avoir de retrait de sève. Donc toujours avec mon fil de 1,5 mm, maintenant je viens corriger cette branche ici. Donc je vais faire deux tours pour bien m'ancrer sur la branche. 1 et 2. Là, je suis très bien ancré sur la branche. Et puis ensuite, eh bien, je viens ligaturer celle-ci sans trop la serrer. Je vais m'arrêter ici, ça sert à rien d'aller plus loin puisque de toute façon je vais couper la longueur. Et maintenant j'essaye de la tordre et de lui donner un petit mouvement. On était quand même sur une branche qui était très haute, maintenant elle est plus sur l'horizontale. Je vais prendre un fil plus gros. Là j'ai pris du 3 mm. Donc la priorité bien sûr c'est de faire deux tours sur la branche. Comme on va la redescendre, donc on va passer le fil par le haut pour pouvoir la redescendre un petit peu. Et donc maintenant, je vais essayer de plier ma branche. Voilà, on y va doucement. Et on va lui donner quelques petits mouvements. Et surtout pour avoir une branche qui, bien sûr, va se relever au bout. Il y a une petite branche ici qui a poussé, qui est fine. On pourrait lui donner un peu de mouvement en s'accrochant sur cette branche-là. Donc je viens sur cette branche et je viens un petit peu la corriger. C'est histoire de bien la positionner. Pas qu'elle monte trop. Alors là, je peux pas mettre de hauban, elle est vraiment trop fine. Maintenant, on va faire le réglage des longueurs pour gagner en conicité, en espérant surtout du rebourgeonnement à partir de là. Donc, j'enlève cette partie-là. Là, on a un mouvement qui est sympa. Je vais repartir et espérer du rebourgeonnement ici. Donc, je coupe ici. On va couper par ici. On a ici un entre-nœud. On va espérer du rebourgeonnement ici. Et donc, on va couper au milieu ici. On a des bourgeons latents ici, donc on ne va pas aller plus loin, on va couper ici. Il faut comprendre que l'arbre, il est encore en train d'être construit, on n'est pas du tout encore sur un bonsaï, on est toujours sur un pré-bonsaï. C'est très très long à construire, un érable palmatum. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement vriller légèrement l'ensemble des haubans. Relativement simple, hein. Vous prenez votre outil et puis vous tournez. Ici, c'est pareil. Voilà. On vient régler. C'est important aussi de toujours surveiller ces haubans. Venez de temps en temps les observer, les haubans. S'ils sont un peu trop relâchés, vous pouvez de nouveau les tendre. C'est toujours assez intéressant. Comme à mon habitude, je viens poser un petit peu de mastic, mastic japonais pour les greffes. J'utilise ce mastic uniquement sur les feuillus. Ça protège bien. C'est hermétique hein, au niveau de la plaie, donc ça aide bien. D'ailleurs on le voit quand même sur les coupes hein, qu'on a fait déjà il y a longtemps, on voit que eh bien ce mastic il est resté, il a noirci. C'est un mastic qui s'enlève difficilement. Le but c'est pas de l'enlever, c'est vraiment de protéger la plaie pour pas qu'il y ait d'attaque d'insectes en couche épaisse avec le doigt. Partout où vous avez fait des coupes, protégez, pensez à protéger. Alors, c'est pas obligatoire, il y en a qui ne le font pas, qui laissent l'arbre réagir naturellement. Je le dis aussi dans toutes mes vidéos, moi je préfère protéger les plaies. Maintenant, chacun fait comme il veut. Au Japon, j'ai vu que franchement, ils protégeaient toujours les plaies. Ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est une étape qui me paraît indispensable. Ce travail, je l'ai fait au mois de novembre. C'est un travail qui est intermédiaire, bien entendu. C'est une troisième étape sur cet arbre. On est parti sur plusieurs années de travaux.
notamment pour construire chacune des branches et pour faire encore grossir le tronc. Je ne suis pas partisan de laisser les grandes tiges longtemps. Rendre les branches coniques, c'est très très important. Et je préfère tailler au fur et à mesure, revenir en arrière, quitte à avoir des fois quelques moignons qui pourront servir, plutôt que de garder des très grandes longueurs qui non seulement vont me gêner bien sûr dans la vie de tous les jours puisque l'arbre y prendrait une place incroyable, mais en plus ne permettront pas forcément d'avoir des formes intéressantes sur les branches. Cet arbre, eh bien, il va passer l'hiver sur mes étagères. Si on descend en dessous des moins 10 degrés, là, je viendrai le mettre en serre froide. Mais sinon, cet arbre, il ne sera pas protégé plus que les autres. C'est un érable, il a besoin de prendre du froid et donc il va passer l'hiver au froid sans problème. Il sera arrosé environ deux fois par semaine en hiver et au printemps, on recommencera les arrosages une fois par jour. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou des questions, comme d'habitude, je vous réponds. Vous pouvez également faire un tour dans la description de la vidéo, vous avez tout un tas de liens utiles, notamment le lien nejikanbonsai.fr, le site de la chaîne. Aujourd'hui, vous avez tout un tas d'articles intéressants et puis également l'ensemble des vidéos qui sont référencées de la chaîne. Vous pouvez également vous inscrire sur le site, mais pour cela, il faut faire partie du Nejikan Club. Pour être membre et nous rejoindre, il faut cliquer sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner et vous aurez tout un tas d'avantages. Allez, on se retrouve très vite.